Me laule, e soru, ayo mehulam, e llevaru, e vera Do mi figaro Jevaro shevri. Balami wa inna bar wa inna smoladen, Rabbanau u alifa wa anna plami radana u sagresta, wa in esmalifaleta. faleta, balame in ajen wa inna bramida fodei, wa in krameta uten wa anna baras balitam, pèche le pour tous ceux qui se connectent ce matin, pour tous ceux qui sont en direct ce matin. Seigneur, défends leur cause. Tu connais leur combat. Père, défends leur cause, défends notre cause. Satan s'est soulevé contre ton peuple, le peuple que tu t'es racheté au prix de ton sang sur la croix. Satan s'est accroché sur telle ou sur telle chose pour cribler ton peuple comme on crible le froment. Seigneur, je prie et j'intercède pour tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix et qui sont dans un piège dans leur vie Seigneur délivre-les de ce piège Père délivre-les de ce piège Seigneur sors-les de ce piège je t'en prie mon Dieu lève-toi et que le monde sache que notre Dieu est vrai et qu'il est souverain La Bible dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Seigneur toute personne dans le filet de l'oiseau, qu'elle soit délivrée tous ceux qui espèrent en l'éternel. Parce qu'il n'y a point de confusion pour ceux qui invoquent le nom de l'éternel. Parce qu'il est écrit Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père, je prie pour tous ceux qui prennent à cœur, qui ne sont pas des spectateurs, mais qui sont des acteurs dans l'évangélisation du monde et dans l'expansion de ta parole, qui prennent à cœur la chose pour partager cette vidéo inviter des hommes, des femmes, leurs amis, leurs familles à suivre ce moment de délivrance afin qu'eux aussi deviennent participants de cette grande grâce, cette grâce excellentissime que tu nous accordes. Seigneur, je prie qu'une telle personne soit bénie, qu'elle soit bénie dans sa maison, qu'elle soit bénie hors de sa maison, qu'elle soit bénie pendant le voyage, qu'elle soit bénie au départ. Qu'elle soit bénie à l'arrivée, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que ceux qui seront dirigés par l'esprit d'obéissance en partageant cette vidéo, Seigneur, mets une séparation claire entre eux et les hôtels familiaux qui ont retenu leur destinée pour toujours. Bali anna ou asprezo, balika wa anna ou wa an asmalifalita. Père, je prie pour tous ceux qui, aussi nombreux qu'ils soient, en cette matinée, seront connectés à ce service de lavement de pieds. Toi qui as dit à Pierre que si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Seigneur, donne-nous d'avoir part avec toi. Part à ton héritage par ce lavement de pieds. Part à ta bénédiction, part à ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Mon âme te loue et te bénit Parce que tu m'as exaucé. La gloire et la louange t'appartiennent pour l'éternité. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, dans le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a la, ce que j'appelle la loi du des Jésus-Christ a dit Prophète. Eis onoma. Prophetu, miston si quelqu'un reçoit un prophète. Parce qu'il a discerné. Pas l'homme, mais le manteau qui fait de cet homme. Un prophète, quand je parle, tu dis Amen. Ici, là, Amen, c'est le cœur. Et c'est les gemmes. C'est le cœur. C'est les pouces bleus. C'est le cœur. C'est lui qui dit Amen. La main de l'éternel est dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Hier, j'ai dit à l'église que ce qui fait la différence entre les hommes, entre un homme et un autre homme, entre une femme et une autre femme, c'est la main de Dieu. C'est la présence de la main de Dieu. Je parle étant ouin. Ceux qui sont spirituels peuvent comprendre l'onction que je porte ce matin pour changer l'histoire de quelqu'un. Parce que je suis venu avec un manteau terrible pour renverser les hôtels, les dernières forteresses de Satan dans ta vie. Ce qui t'empêchait d'être toi-même, ça doit s'arrêter. Dieu m'a montré une vision. Beaucoup de personnes malheureuses, des enfants de Dieu, mais dans la galère, les enfants de Dieu se battant et se débattant. Se prélaçant et s'entrelaçant contre des hôtels qui crient dans leur vie, qui crient contre leur vie. Ça doit s'arrêter. C'est pour ça que Dieu m'a donné ce mandat. Je parlais de la loi du haut des Beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction, comme la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ lui demandera à boire, elle dira à Jésus-Christ que non. Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Elle se met à juger le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, mais toi tu es juif. Tu me demandes à boire comment. Mais quelqu'un te dit qu'il a soif. Donne-lui d'abord à boire et après on va voir le reste après. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais elle demande à Jésus que, mais toi qui es juif, tu me demandes à boire comment. Elle commence les vieilles querelles. Les querelles de Jérusalem et du mont Garizim. Ah non, mais vous vous dites que c'est à Jérusalem qui a le salut. Mais nous, nous croyons que c'est sur le mont Garizim qui a le salut. Et puis la querelle, elle querelle Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, femme, si tu savais, quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire C'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive et tu n'aurais plus jamais eu soif de toute ta vie. Celui qui boit de cette eau que tu bois a soif. C'est pour ça que tu es encore là ce matin. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. C'est de cette eau qu'il est question. C'est de cette eau qu'il est question. Cette eau que lorsqu'on boit... On n'a plus soif. Ça veut dire que lorsqu'elle opère une grâce, lorsqu'elle met une bénédiction dans ta vie, cette situation ne reviendra plus jamais. Lorsque mon Jésus te guérit de ta maladie, cette maladie ne reviendra plus jamais. Lorsque mon Jésus détruit l'hôtel maléfique qui criait contre ta vie et ta maison, personne ne pourra plus jamais rebâtir cet hôtel. Lorsque Josué a vaincu Jéricho, lorsqu'il a frappé Jéricho du tranchant de l'épée, et qu'il a maudit Jéricho. Et qu'il a prophétisé contre Jéricho. Et qu'il a dit que nul n'habitera plus jamais Jéricho. La Bible dit jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu rebâtir Jéricho. On n'a pas rebâti Jéricho. Jéricho n'a pas pu être rebâti jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Parce que quand Dieu renverse, personne ne peut relever. La Bible dit que mon Dieu, lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir cette porte. Quel que soit ce sorcier, il n'ouvrira pas cette porte. Je vois une porte ouverte devant ta vie. Pardon, je veux Amen. Pardon, donne-moi Amen. Envoie les cœurs, envoie les pouces bleus. C'est Amen dans l'église virtuelle -ci. Quand tu dis « Amen », un ange du Seigneur te localise où tu te trouves immédiatement. Je vois une porte devant toi. C'est une porte grand ouverte. C'est une porte ouverte du doigt de Dieu. Jésus-Christ a dit « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. » Vous voyez, dans la vie, lorsque les portes de ta vie sont fermées, rien ne marchera pour toi. Chaque domaine de votre vie, où vous remarquez la stagnation, ça veut dire que la porte n'est pas ouverte. Chaque domaine de votre vie où vous remarquez l'échec. Et un échec répétitif, un échec morbide, successoral. Ça veut dire que la porte là doit être ouverte dans tout domaine de votre vie. Où vous ressentez que vous avez des échecs, des blocages. Le blocage signifie que la porte est fermée. Mais Jésus-Christ, notre Dieu, dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a une femme Est-ce qu'il y a un homme qui est connecté ce matin et qui croit en cette parole Je veux juste la foi. Je veux la foi. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de matériel, ce n'est pas une question de bien-être. Non, non, non. C'est une question de foi. Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Et il y a une situation dans laquelle tu es bloqué. Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Tu peux être dans une situation et le diable a fermé ta vie dans cette situation et il a jeté la clé. C'est de ça qu'il est question. Je pense à Apocalypse 3, verset 10. C'est de ça qu'il est question. Le problème maintenant, c'est que tu dois sortir de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier sur cette eau. Tu dois sortir de cette situation. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ça peut être une maladie. Ça peut être un malheur. Ça peut être une mauvaise relation. Ça peut être n'importe quoi, dans tous les cas, qui ne te rend pas heureux. Ça peut être n'importe quoi qui te rend malheureux, qui t'appauvrit, qui te rend malade. Ça peut être une maladie. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le célibat. Ça peut être que tes dossiers euh, sont bloqués. Tout ce que tu entreprends dans ta vie ne réussit pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont assis sur ta vie. Frère, c'est la vérité. C'est la réalité. Nous allons parler de ces choses. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu m'a dit que le temps de la délivrance de son peuple est arrivé. Voilà pourquoi je parle avec autorité. Vous allez sortir de vos prisons ce matin. L'émission de, de ce matin, tu sors de ta prison tu sors de ta prison. Si tu as la foi, Jésus-Christ a dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi de là, jette-toi dans la mer et vous obéirez. La prison là sera ouverte. La prison de ta vie aujourd'hui, tu vas sortir de cette prison parce que Jésus-Christ me dit de te dire qu'il met devant ta vie une porte ouverte. Ô oh, Seigneur, merci pour le don des portes ouvertes. Merci pour ton peuple qui est sauvé ce matin. Merci pour le rachat de nos âmes. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour la visitation dans nos maisons et dans nos familles. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit Voici, je mets devant toi une porte ouverte. Lorsque les portes de ta vie sont ouvertes, c'est le succès, c'est la prospérité, c'est les miracles, c'est l'élévation, c'est les témoignages. Dans tous les cas, ta vie n'est pas la même. Ton histoire n'est pas la même. Ce que tu entreprends, ça réussit. Le succès est complet. Pourquoi Parce que la porte est ouverte. Mais lorsque la porte est encore fermée dans ta vie, mon ami, c'est la source même de tous les malheurs. La source des soucis, des lamentations, des blessures, des contusions, des déceptions, etc. Et des pleurs. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui pleurent le jour, qui pleurent la nuit, qui pleurent au lever, qui pleurent au coucher. Pourquoi À cause du malheur dans leur vie. Parce que la porte est fermée. Mais, si tu crois en cette parole, donne-moi un s'il te plaît. Et dis, voici, je mets devant toi une porte ouverte. Si tu crois que, comme je parle, la porte qui était fermée dans ta vie s'ouvre. Mon ami, ça veut dire que ta délivrance est arrivée. L'heure de ta visitation divine a sonné. La Bible dit, au jour convenable, je vous ai visité. Au jour favorable, je vous ai visité, mais vous ne l'avez pas su. Voici le jour favorable. Toute personne qui a fermé votre vie. Qui a fermé, comment on dit dans mon patois, votre front. Qui a fermé votre étoile. Sa propre étoile est fermée et votre étoile est libérée. Dans le nom précieux et souverain de Jésus, je déclare l'ouverture des portes qui étaient fermées dans votre vie, dans toute votre carrière. Le Seigneur vient d'ouvrir les portes. Ce matin, le mystère des portes ouvertes vient de se passer. Que Dieu se manifeste. Je prie que chacun prenne son eau, chacun prépare sa bouteille d'eau ou sa bassine d'eau pour le lavement de pieds. Pendant que nous allons prier, la main de Dieu agira. Hier, j'essaie d'expliquer la puissance du ministère des franges. Le ministère des franges, c'est le ministère des objets que beaucoup de chrétiens négligent. Non. Dans tout le temps passé entre Dieu et l'humanité, euh, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours fait usage des objets pour apporter la bénédiction à son peuple et la délivrance. Et aujourd'hui, c'est à travers l'eau que Dieu apportera la bénédiction et la délivrance. Dieu est un grand Dieu. Le Dieu dont nous sommes les serviteurs, c'est un Dieu redoutable. Nul n'est comparable à lui et Dieu a mille et une voix pour te sauver. Il a mille et une voix pour te guérir, pour te bénir, pour te secourir. Parfois, la voix que tu attends, que Dieu utilise pour te sauver, c'est pas de là que Dieu vient. Dieu sort par derrière, par une voix que tu ne connaissais pas, que mon Dieu te supprène. Avant le coucher du soleil de ce jour, que Dieu te surprenne. Les habitants de Douala, la mort dans le camp de l'ennemi a été déclarée. Tous ceux qui ont déclaré ta mort, la Bible dit, que celui qui roule une pierre contre toi sera écrasé par sa propre pierre. Et celui qui creuse une tombe sera enterré dans sa propre tombe. Et celui qui essaie de faire une fissuration dans la muraille pour que le serpent entre, il sera mordu par son propre serpent dans le nom de Jésus. La main de tes ennemis retourne contre eux-mêmes parce que la main de ton Dieu vient d'être apesantie contre ceux qui te haïssent, qui te haïssent, qui veulent ta mort. Les habitants de Douala, vous êtes bénis. Je fais ce direct à partir de Douala. Nous avons commencé depuis dimanche. L'église est située en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlé. s'il te plaît. Tu veux mettre fin rapidement aux œuvres de Satan dans ta vie. Tu veux sortir de ce blocage, de cette prison. Je te donne rendez-vous tout à l'heure à 16h. Derrière l'immeuble Kamlé au quartier Dogbon, demande l'église Rema, la congrégation baptiste euh, camerounaise, la paroisse Rema, derrière l'immeuble Kamlé en Dogbon. S'il te plaît, cours, ferme ta boutique. Écoute-moi bien, ferme ta boutique. Non, non, ferme ta boutique. Parce que ton salut vaut mieux que l'argent que tu cherches. L'argent ne te donnera pas la vie. L'argent ne te donnera pas la santé. L'argent ne te donnera pas la sécurité spirituelle. L'argent ne te donnera pas la vie éternelle. Vaut mieux pour toi chercher celui qui est la source de bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le chagrin quitte ta vie, le chagrin quitte ton destin, le chagrin quitte le quotidien de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, cette chose qui te chagrinait, Dieu haute ça, Dieu l'arrache de ta vie, Dieu t'en sépare immédiatement dans le nom puissant et souverain de Jésus. Donc, habitant de toi-là, si tu me vois à la télé, tu entends ma voix, c'est sur Facebook que tu me vois, tu regardes à la télé et tu restes ce soir dans ta maison à 16h, tu ne viens pas, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Viens avec ta bouteille d'eau. Viens avec ta bouteille d'eau. Et, et regardez, quelqu'un peut me haïr. Dieu me délivrera de lui. Mais si moi-même je hais ma propre vie, c'est-à-dire que si tu vois une opportunité, Dieu te dit Ça, la porte, si je l'ai ouverte, parce que tu souffres depuis longtemps, passe par cette porte. Et tu refuses rester chez toi, à la maison chez toi. Alors c'est que tu n'aimes pas ta vie, tu es le propre ennemi de ta propre vie. Tu es l'ennemi de ton propre progrès. Parce que si tu me regardes, ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Ne restez pas à la maison. Ferme la boutique. Viens le soir, 16h, soit en Dorbon, derrière l'immeuble Kamenet. Viens crier à Dieu avec nous. Viens nous joindre dans des prières de puissance pour renverser les forteresses sataniques dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, de nos maris, de nos épouses. La puissance de Dieu est en train de se manifester. On a des témoignages extraordinaires. Hier, yeah. il y a une maman qui a rendu témoignage qu'il y a un monsieur qui l'a croisé en route, qui l'a stoppé en route. Et je pense que ce soir, je voudrais qu'elle redonne encore ce témoignage pour que la majeure partie de ceux qui nous regardent puissent être édifiés. Et puis le monsieur l'a arrêté et lui a dit Ah, je me rends compte que tu vas là-bas à la congrégation baptiste Réma. Et donc ton prophète s'appelle Écane Ferdinand. Vraiment, je te méprise et je méprise. Le prophète Ekané Ferdinand, c'est un faux prophète. Hein? Les prophéties qu'il vous donne là, c'est les fausses prophéties. Moi, je veux prophétiser sur toi maintenant. Et le monsieur a enlevé les chaussures de ses pieds. Il a tenu les chaussures. Et comme il m'insultait, et qu'il disait à la dame que lui, il est un vrai prophète, il va prophétiser sur elle maintenant, la dame nous expliquait, le monsieur n'arrivait plus à parler. Il est devenu muet sur place et devant tout le monde. Et il a commencé à faire pipi sur lui-même. Il a uriné sur lui et il a déféqué sur lui-même, sur place, devant les gens en public. Pourquoi? Parce qu'il s'est érigé contre la main de l'éternel, contre un nom de Dieu. Parfois, les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. La Bible dit parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre de l'Éternel contre tes ennemis de génération en génération. Où tu te trouves, la distance n'est pas une barrière. Si tu as la foi avant la fin de cette journée, les 24 prochaines heures, je te dis la vérité, quelque chose va se passer dans ta vie. Celui qui dit amen, ça pas arrive avant euh, pour les autres. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Asie, vous êtes n'importe où. La main de Dieu en Afrique, au Cameroun, la main de Dieu est en train de se répandre. La main de Dieu se répand. La délivrance se répand. Les maladies te quittent. On va prier tout à l'heure. Les maladies doivent te quitter. Cette maladie doit te quitter. Les boules vont disparaître. Les kystes, les myomes, les fibromes vont sortir tout à l'heure. Quand on va boire de cette eau-là immédiatement, les douleurs, les paralytiques vont marcher, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les muets vont parler par la puissance qui est dans le nom de Jésus Christ, notre sauveur. L'éternel veut te sauver. Le Seigneur veut ouvrir la porte fermée de ta vie et je veux que tu lui fasses confiance. Je t'encourage à lui faire confiance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur est de ton côté. Jésus-Christ est dans ta barque. N'aie pas peur. Peuple de Dieu, Dieu me dit de t'encourager. Dans la foi, dans le combat spirituel, ne t'arrête pas. Ne pleure pas. Ne regarde pas derrière. Continue la guerre. Continue la bataille. La victoire vient de notre Dieu. Le Seigneur surprendra quelqu'un. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un ce matin. Je te dis la vérité. Dieu est sur le point de te surprendre. Il y a une porte que tu attendais depuis des années que Dieu l'ouvre dans ta vie. Cette porte vient d'être ouverte ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et comme les portes de l'éternel sont en train de s'ouvrir dans ta vie, les portes de tes ennemis sont en train de te refermer sur ta vie. Il y a des portes qu'il faut fermer. Il y a des portes qu'il faut ouvrir. Il y a des portes que le diable lui aussi ouvre dans ta vie et qui produisent le malheur, la maladie, les malédictions. Toute porte maléfique ouverte sur ta vie, je la referme au nom de Jésus. Je la referme au nom de Jésus-Christ. Je la referme au nom de Jésus. Je la referme au nom de Jésus. Les portes de maladie, maladie curable, maladie incurable, je referme ces portes au nom de Jésus. Les portes de la souffrance, les portes de la pauvreté, les portes de la mendicité, les portes de l'échec, les portes du chômage, je referme ces portes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la porte qui criait contre votre vie, le Seigneur Jésus-Christ vient de refermer cette porte. La seule porte qui doit demeurer ouverte dans ta vie, c'est celle de Dieu. Est-ce que tu crois en cela? -ce Jésus-Christ a demandé à Marie, est-ce est que, est que tu crois en cela? Je vais demander à quelqu'un la même question. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ va ouvrir et qu'il vient d'ouvrir les portes fermées de ta vie maintenant? Si c'est le mariage que tu attends, tu fais bien, tu penses bien. Si c'est le mariage que tu attends, il y a des gens qui disent non. Ah, les hommes de Dieu d'aujourd'hui promettent seulement le mariage aux gens. Vous voulez qu'on leur promette le célibat ouais, Il faut promettre le mariage aux gens. Il faut leur promettre le mariage. Parce que le mariage, elle est l'une des premières institutions que Dieu a instaurées dans le Jardin des Le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Le mariage, c'est un don de Dieu. Le mariage est au cœur de la préoccupation de Dieu et de son œuvre parmi les humains. Hein? La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé eh, une couronne. Vous voyez, de celui qui trouve une femme a trouvé une couronne de l'éternel. Et la Bible dit il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc c'est bon. La Bible dit que c'est bon. Tu veux te marier, c'est bon. Ça veut dire que tu combats contre l'impudicité. Tu es quelqu'un qui ne veut pas vivre dans l'immoralité sexuelle. Que Dieu te bénisse. Rien qu'à penser au mariage tu es quelqu'un de comme ça. Tu es bien. Tu es quelqu'un qui veut le bien pour lui-même, le bien pour sa famille, le bien pour l'église de Jésus-Christ le bien de la nation. Si tout le monde était marié, on n'aurait pas de fornication et d'adultère aujourd'hui dans le monde entier. Donc, vouloir se marier est une bonne chose. Et je suis d'accord avec toi. Et Dieu qui m'a béni avec un mariage comme ça. Il y a des gens qui disent, non, ah, l'amour n'existe pas. L'amour existe. L'amour existe. Ma femme et moi, nous sommes une personne en esprit et dans la chair. Je bénis Dieu pour une femme comme elle, pour une personne exceptionnelle comme elle. J'ai l'habitude de dire à mon épouse que je n'ai jamais croisé quelqu'un. Aussi bien qu'elle. Et c'est la vérité. On ne dit pas ça pour plaire à qui que ce soit. Je, je m'en fous. Je ne cherche pas à te plaire. Et l'apôtre Paul a dit s'il fallait plaire aux hommes, longtemps nous serions plus serviteurs de Christ. Non, je parle de ma vie. Je parle de ma femme. Tu es jaloux, c'est ton problème. Sincèrement, je m'en fous. Mais j'aime ma femme. Et elle-même. On, on s'aime. On est jeunes. Donc le succès dans le mariage, ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est une question de cœur et de choix dans la vie. C'est ça le problème. Nous, on a choisi vivre heureux, être des amis, être des frères. Être des complices et donc elle est ma complice, je suis sa complice, son complice. Elle est mon intime et je suis son intime. Vraiment, nous vivons un foyer, une expérience unique. Unique, je vous dis la vérité. Quand je voyage, ma femme tombe malade. Quand nous nous séparons, c'est-à-dire que la tristesse est, est, est au rendez-vous. Nous sommes tellement habitués, tellement attachés l'un à l'autre. Et j'ai l'habitude de vous expliquer que quand je suis à la maison, si je fais un mois et que je n'ai pas culte, je veux rester à la maison chez moi sans me mettre à la véranda. Pourquoi? Parce que mon épouse et moi, nous sommes toujours ensemble. On est ensemble. On a toujours à se dire. On a toujours à faire des blagues. On a toujours à faire des plaisanteries. On a toujours besoin l'un de l'autre. Ça veut dire qu'on est toujours blottis. Je ne sais pas combien de fois nous nous appelons par jour. Sincèrement. Ça dit que si on vous lit les messages que nous écrivons, vous allez vous demander que les gens, si ils viennent de se marier maintenant ou bien c'est depuis qu'ils se sont mariés. Pourquoi, frère parce que la porte a été ouverte pour un mariage venant de Dieu, un mariage béni. Et nous avons accepté que cette porte-là puisse être ouverte. Nous avons accepté que Dieu soit une bénédiction pour nous. Vous voyez Donc, moi, je pense que les gens doivent comprendre. Vous voyez Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, c'est par exemple un message que mon épouse et moi, on s'est écrit. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer, hein. J'espère que tu vois ça, tu lis bien. Il y a des gens qui disent que l'amour n'existe pas. Hein, je t'aime, mon amour. Je peux déjà. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Je t'aime plus que tout, ton tout monde. Après Dieu, ma femme, on est encore en route. Et tu me manques trop. La semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on sera ensemble et inséparable. On sera ensemble et ainsi. cest à que la semaine-là, j'attends ça vite. Là, la semaine du premier, là, avec ma femme, c'est barré collé. Inséparable, inséparable. On est, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On est collé, barré collé. C'est ça le mariage. Vous voyez, le mariage, c'est un don de Dieu. Donc si tu veux te marier, mon ami, tu as choisi la bonne part. Je prie maintenant que ce mariage soit rendu possible. Et je ne prie pas pour toi, pour que tu aies été marié et que ton mariage soit à la prison. Hein. Non, tu te maries et tu réussis. Tu te maries, tu es épanoui. Quand vous me voyez, je ne suis pas un homme en manque d'amour. Jamais. Je ne manque pas d'amour. Au contraire, je me gave d'amour. Ma femme, j'ai l'excès de table d'amour. Ça veut dire que l'amour, il <laughs> y a l'excès de table sur ça. Ça veut dire qu'il y a l'excès qui est sur la table à cause de l'abondance de l'amour. L'amour est vrai. Il n'y a pas un sentiment qui donne plus de bonheur à un homme sur la terre que l'amour. Tout le monde a le droit d'être aimé et de donner de l'amour. Ma femme me donne de l'amour, je lui donne de l'amour parce que Dieu a brisé dans sa vie l'autel du célibat, il a brisé dans ma vie l'autel du célibat et nous a unis, on est là. Il y a beaucoup de belles femmes dehors qui n'arrivent pas à se marier. Il y a de, de beaux hommes dehors qui n'arrivent pas à se marier. C'est un don de Dieu, frère, le mariage. Donc si quelqu'un dit non à ah, les pasteurs là, il promet le mariage aux gens, c'est que toi tu es possédé. Tu as un problème spirituel. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Parce que si tu, tu connaissais l'importance que Dieu donne à voir son peuple marié et non pas être célibataire pour se retrouver dans la tentation, c'est que tu ne dirais pas des choses comme ça. Ça dit dire que tu es étranger à la vie de Dieu. Quand l'apôtre Paul a dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. Tu es un bébé, tu ne connais rien des choses et des mystères du royaume. Celui qui veut se marier a choisi la bonne part. Celui qui prie Dieu, Seigneur, je veux le mariage, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a ses sens, qui a. C'est un homme intelligent, c'est une femme ça Tu me dis, je te donne 5 d'abord. Je te salue. Moi-même, je t'envoie le cœur. Je vais t'envoyer le cœur tout à l'heure. Tous ceux qui désirent se marier, être stable dans une maison. Parce qu'ils ne veulent pas la vie de désordre. Ils ne veulent plus monter, descendre, monter, descendre. Ils veulent aussi leur maison. Ils veulent se stabiliser. Pardon, envoie le cœur. L'éternel te donne. Ton mari, Dieu te donne ta femme. L'autel qui te retenait, l'autel qui t'empêchait de te marier, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom puissant et souverain de Jésus. Je le brise. Je te dis la vérité. Tu ne te tromperas pas dans ton mariage. Dieu va te donner un mari comme ça. Dieu te donne une femme comme ça, qui va t'aimer comme ma femme et moi, nous nous aimons. Il y a des gens qui disent, « Ah, non, l'amour, c'est quand vous venez de vous marier, là. C'est chaud, chaud, chaud. Après ça, là, ça, c'est Non, c'est faux. On vous ment. L'amour est éternel la Bible dit l'amour est fort comme la mort et ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour que Dieu te donne, cet amour qui est fort comme la mort. Cet amour que les grandes eaux ne peuvent pas submerger. Les eaux, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les défis. On a connu beaucoup de défis, mon épouse et moi. Mais nous sommes restés fidèles l'un à l'autre. On est restés barré collés. On est restés attachés l'un à l'autre. Je l'aime elle-même. Je meurs pour elle, elle meurt pour moi. L'autre jour, je lui ai dit Je t'aime tellement. Je suis prêt à mourir pour toi, ma femme. Ce n'est pas seulement les paroles en l'air. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ton conjoint, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu n'as pas connu le vrai amour. Le vrai amour peut te pousser à donner ta vie pour ton conjoint. J'ai dit à ma femme Je peux mourir pour toi. Je veux même mourir pour toi. Si tu veux me la démonstration, on n'a pas un petit sur lequel je meurs un peu là d'abord et je reviens pour que tu sois sûr. Donc ça, la vie, frère. Si vous n'avez pas ce bonheur sur la terre, votre vie sera frustrée. Que Dieu te donne le bonheur. Ma prière pour toi, c'est-à-dire au détriment de tes ennemis, au détriment de ceux qui te haïssent, au détriment de ceux qui se moquent de toi, je te donne six mois que l'Éternel se lève pour défendre ta cause. Ceux qui se sont moqués de toi seront dans la confusion. Parce que Dieu te positionnera. Il te bénira. Il te visitera. Oui, il rendra visite à ta maison. Il te sortira de ta situation. Ton ennemi sera puni par ta bénédiction. Ceux qui se sont moqués de toi, quel que soit le domaine de ta vie où les gens se moquent de toi, je te le dis par l'éternel qui m'a appelé. Je parle comme un prophète de Dieu. Six mois, ta vie ne sera pas la même. Six mois, les gens se prosterneront devant toi pour te demander pardon, pour confesser de leur bouche. Je ne savais pas. J'avais mal vu. Je t'avais mal jugé. Il y a des choses que Dieu a accomplies dans ma vie et celle de ma femme, où des gens ont dit qu'ils n'avaient jamais cru que des telles si choses puissent arriver. Écoutez, faites confiance à Christ. J'ai souffert. J'ai connu la souffrance, mais jamais je n'ai été mendiant. J'ai connu la souffrance, mais jamais je n'ai qu'émandé. J'ai gardé mon honneur. J'ai gardé ma dignité dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai passé des mois sans manger une nourriture préparée. Je vous dis la vérité. Lorsque je passais dans des quartiers où je sentais par exemple l'odeur du riz parfumé, je m'arrêtais devant cette maison ou derrière la maison pour humer l'odeur du riz pendant cinq minutes et ça me procurait le bonheur. C'était comme si spirituellement j'avais mangé de ce riz parce que tellement la nourriture préparée était rare dans ma vie à cette époque. Un jour, je me souviens, je suis sorti derrière notre maison. J'ai commencé à goûter les herbes sauvages. Je goûtais, si c'était n'était pas amer, je cueillais pour préparer, pour faire des légumes avec cela. Et puis, c'est la vérité, c'est comme ça que je mangeais. Je sortais, je cueillais des, des, des feuilles, si ce n'est pas amer, je cueille. Et j'amène ça, je fais les légumes avec et je mangeais ça sans rien. Et je, je suis sorti derrière notre maison. Derrière la maison que je louais, et j'ai trouvé un papayer. J'ai regardé le papayer, et la faim allait me tuer. J'avais pris un jeûne, pas parce que je voulais jeûner, mais parce qu'il n'y avait pas mangé. Vous voyez, le genre que vous n'avez pas mangé, et puis bon, je ne veux pas quand même passer des jours sans manger comme ça, sans transformer ça en jeûne. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je suis dans un programme de jeûne. Mais Dieu lui-même, il sait en fait, c'est la famine qui te pousse à jeûner. Alors, il y avait un papayer, et les papayes étaient vertes. Écoute bien l'histoire, si, pardon, écoute ça. Parce que Dieu va te sortir d'une telle situation. Tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie, je vous connecte à la même grâce. Je te connecte à la grâce de Dieu dans ma vie. Mon Dieu est ton Dieu. Et la délivrance qu'il m'a donnée, la double portion, est sur toi. Il y a un miracle. Le miracle de la double portion qui est sur le point de toucher ta vie ce matin. Je vous dis la vérité devant Jésus. Oh mon Dieu, j'ai envie de me lever. Le miracle de la double portion touche ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ce démon lâche ta vie. Ce démon libère ton étoile. Ce démon libère ta destinée au nom puissant de Jésus. Dieu brise le joug de la souffrance et de l'esclavage. Tout démon qui t'a asservi, toute puissance qui vous a servi, qui a servi tes enfants, je brise son autorité. Je brise sa main sur ta vie. Tu ne seras plus jamais esclave de qui que ce soit. Je raconte ça comme une histoire aujourd'hui. Mais il y a de cela quelques années, c'était une réalité. C'était mon quotidien. Mais aujourd'hui, c'est un souvenir loin derrière. Dieu qui a fait ça pour moi, le fera pour toi. Je te dis la vérité. Dieu ne peut pas te laisser mourir sans qu'il n'ait confus l'ennemi dans ta vie. Dieu ne peut pas te laisser mourir comme ça. Dieu va changer ta vie. Dieu va te bénir. Cette bénédiction va punir tes ennemis, va humilier l'ennemi de ta vie. Celui qui se moquait de ton Dieu, bientôt, on verra qui est qui. La Bible dit, et vous verrez à nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu va mettre la différence. Ah, je sortais, j'ai vu le papayé, et les papayes étaient toutes vertes. Les papayes vertes, tu fais quoi avec les papayes vertes Mais dans ma pauvreté, Dieu m'a inspiré une grande sagesse. Quand j'ai regardé le papayer, j'ai dit ok, je cueille les papayes. Les papayes. Quand j'ai fini de cueillir les papayes, j'ai donné à ma nièce, à ma fille. Je lui ai dit ok, fais-moi le bouillon de papaye bien pimenté avec le pépé soupe chat. Elle m'a demandé papa, est-ce qu'on mange, on prépare la papaye Est-ce que tu as déjà vu où on prépare la papaye Moi, je ne peux pas manger la papaye préparée. Je lui ai dit que tu n'as pas faim. Si tu avais vraiment faim. Tu allais manger la papaye chez là. Fais-moi le piment. Je n'ai même pas besoin d'écouter quoi que ce soit. Fais-moi un bon bouillon de papaye. Elle m'a fait le bouillon de papaye. Mon ami, je vous dis la vérité. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, faites un bouillon de papaye et vous verrez. Le bouillon de papaye croustillant, c'est une expérience unique en genre. J'ai mangé le bouillon de papaye. Pourquoi, frère? Parce que Dieu m'imposait cela. Les gens qui se moquaient de moi à cette époque, les gens disaient Ah, s'il disait que Dieu, si Dieu était avec lui, pourquoi il mange le bouillon de papaye Regardez comment il galère. Regardez comment il est misérable. L'homme ne connaît pas comment ton demain sera. Mon ami, tu ne sais pas comment il demande sera. C'est pas parce que tu es bien aujourd'hui et que tu me vois souffrir que tu vas penser que je vais finir souffrant. Tu ne sais pas comment ton demain sera. C'est pas parce que tu y as aujourd'hui et que moi je n'ai pas que tu vas te moquer de moi. C'est pas parce que je suis malade aujourd'hui. Tu te moques de moi parce que toi tu es en santé. Tu ne connais pas comment ton demain sera, mon frère. Tu ne sais pas comment demain sera, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui te réservera, ce que te réservera demain. L'humilité c'est bien. S'il te plaît, l'humilité c'est bien. Ne te moque jamais de quelqu'un. Parce que tu le vois souffrir, parce que tu le vois traverser le moment difficile. Tous ceux qui se sont moqués de moi aujourd'hui ne peuvent pas me regarder en face. Ce n'est pas l'orgueil, hein? ce n'est pas l'orgueil. Aucun Dieu ne peut me regarder en face. Aucun d'eux n'a les moyens que j'ai. Aucun Dieu n'a les relations que j'ai. Aucun Dieu n'a les opportunités que j'ai. Je ne me vante pas. Et même si je me vante, je ne, je, je, je ne pêche pas. Je me vante de connaître Dieu. C'est quand même l'avantardisme qui a été permis par l'éternel, mon Dieu. Donc tous ceux qui se sont moqués de toi. S'il te plaît, quelle que soit la situation que tu traverses, ainsi me parle l'Éternel. Écoute, c'est une prophétie. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prophétie pour toi qui t'attends un miracle de la part de Dieu. Pour toi qui attends la main de Dieu, prépare ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Prépare ton eau. Dieu m'a dit de te dire, tous ceux qui vont laver leurs pieds ce matin, tous ceux qui vont laver leurs pieds, qui vont boire de cette eau, Dieu envoie un ange immédiatement, immédiatement, te chercher de cette prison. De sortir de cette situation, enlever de ta vie les vêtements de honte, les habits de raillerie qui ont fait que les gens se sont toujours moqués de toi. Les gens se sont moqués de, ta, de, de ton père, les gens se sont moqués de ta mère, les gens se moquent de toi. Ta vie n'a aucun sens. L'eau si te donnera un sens. L'eau si, je te dis la vérité. Oh mon Dieu, j'ai envie, je vais mets les pieds haut L'eau si te donnera un sens. L'eau si va te donner un sens. La malédiction la quitte ta vie. La malédiction, là, retourne sur celui qui t'a maudit. Ceux qui se sont moqués de toi, si je t'ai dit que dans les années qui viennent, ils ne seront pas capables de délier la courroie de tes pieds. Oh mon Dieu Seigneur, aide-les à connaître la prophétie, à comprendre ce que tu as dit. J'ai vu Dieu déclarer ces choses pour toi. Toi qui me regardes, que je ne connais pas, Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Dieu a écrit une lettre pour ta libération, pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Lève ta bouteille, wa Adam. Ça, c'est une, une lettre de délivrance pour toi. Cette souffrance est finie. Dis Amen, dis Amen. Envoie les cœurs, pardon. Envoie les pouces bleus, je en prie. Dis Amen. Quand tu dis Amen, la main de Dieu te localise. Les malédictions, les pratiques. Quelqu'un qui a pris ton caleçon, qui a pris tes cheveux, qui a pris ta chaussure, qui a pris ton argent pour aller faire des incantations, enterrer ça pour te tuer, pour que tu ne te maries pas. Que tu n'aies pas les enfants. Toutes les femmes stériles qui me voient, Dieu te donne l'enfant maintenant. En buvant cette eau. Toutes les femmes qui ont les kistels, les miomes, les fibromes, je ne dis pas qu'après, ça va sortir. Tu vas aller aux toilettes, ça va sortir. Je n'aime pas dire que tu auras le mot de vente. Les myomes là sorti sortir maintenant. Toi qui étais appelé stérile, les gens se sont moqués de toi. Peut-être tu es béni. Peut-être tu as tout ce que tu veux. Dieu t'a donné l'argent. Dieu t'a donné le matériel. Mais tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Ce qui te manque, tu vas recevoir ça. Par cette eau. Ce qui te manque, voilà pourquoi partage cette vidéo. Invite tes frères, invite tes amis. Pardon, je t'en prie. C'est l'heure de la délivrance. Dites que le prophète fait dire carré et en direct. C'est la délivrance. Ce que vous voyez à la télé, ce n'est pas le trucage. Il est temps que toi aussi tu vives cela. Dieu va te donner ce qui te manque. Si c'est le mariage, tu auras. Si c'est les enfants, tu auras. Si c'est la prospérité, tu auras. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de mon Dieu. Tout ce qui a le chagrin dans ta vie n'est pas de Dieu. Tout ce qui est du diable dans ta vie est brisé au nom puissant de Jésus. Si tu crois au prophète de Dieu, tu crois que je suis un homme envoyé de Dieu. Tu crois que Dieu peut m'utiliser. Moi, le vermisseau d'entre tous, le moindre d'entre les dix milliers. Tu crois que la parole qui sort de ma bouche vient du très haut, vient d'Adonai Elohim, vient de notre Dieu, le Dieu vivant. Tu crois en ça? Prends ton eau. Prends ton nom, prends ton nom, prends ton nom. Ils se sont moqués de toi. Laisse-les. Ne réponds plus. Dieu m'a dit de te dire. La Bible dit L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous allez vous reposer. Et vous allez vous reposer. Ainsi me parle l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce matin Ce combat n'est plus ton combat. Ce problème n'est plus ton problème. Dieu vient de se charger de ta guerre. Il répondra à tes ennemis. Mais une époque de repos entre dans ta vie. Dieu t'introduit dans le repos. Le repos financier, le repos spirituel, le repos ministériel. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui est branché ce matin Prends ton nom. Dieu veut restaurer ton ministère. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut recevoir tes enfants. Tes enfants qui étaient menés en captivité. Tu ne comprenais rien sur tes enfants. Pardon. Prie sur l'eau. Envoie à tes enfants. Ils doivent boire de cette eau. Ou bien appelle-les. Partage la vidéo, s'il te plaît. Que aussi en dans cet acte prophétique. Les actions prophétiques sont dangereuses. Les actions prophétiques sont dangereuses. Les actions prophétiques, c'est ce que le diable redoute le plus. Cette action prophétique va ramener dans ta vie cette chose qui doit te rendre heureuse et que le diable t'a volé. Si tu crois en ça, qu'est-ce que tu attends S'il te plaît, dis-moi, parle. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Jésus disait, qu'est-ce que tu veux Et je te pose la même question. Qu'est-ce que tu veux Dans les 24 heures qui arrivent dans ta vie, je ne dis pas 6 ans, hein, ou bien 6 mois, ou un mois, ou une semaine, dans les prochaines 24 heures, qu'est-ce que tu veux Provoque Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux frère, sœur, homme, femme, qu'est-ce que tu veux? Dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu veux? Dans ta maison, qu'est-ce que tu veux? Dans ton mariage, qu'est-ce que tu veux? Qui t'opprime? Quelle oppression veux-tu? Que Dieu arrache de ta vie aujourd'hui. Prends ton nom, mets-la devant ton téléviseur, devant ton, ton ton téléphone, devant ton laptop ou ta tablette, ou ta radio. La mi anagala setata wa anna barazen, Satan que le Seigneur te reprime. ba inagroben wa anna sopremi satan que le Seigneur te prem zamorami talake sata wa anna bromiden. den satan que le seeur tre prem bellazabletaudali kumara wa anna zrose satan que le Seigneur te prem bi inagromi wa anna jopeta balisa man. que le ser Prime sorcier, la maladie que le Seigneur te reprime. la cancer cancer, 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 que le Seigneur te réprime, toute personne qui souffre de cancer, quel que soit le cancer, de la tête jusqu'à la plante des pieds, Seigneur que l'eau qui a jailli de tes côtes entre dans ces récipients, que cette eau entre dans ces récipients pour guérir les malades dans le monde entier maintenant. Cancer, cancer. Cancer, cancer. Le Seigneur te réprime. Si vous êtes malade du cancer, ou vous connaissez quelqu'un qui est malade du cancer, appelez le nom de la personne pendant que je prie, ou apportez la photo de la personne. Mettez la main sur la photo de la personne. Cancer, cancer. Mon Dieu te réprime. Cancer, cancer. Mon Dieu te réprime. Cancer, cancer. Mon Dieu te réprime. Cancer, cancer. Jésus te réprime. Sois réprimé au nom de Jésus. Sois réprimé au nom de Jésus. Mon Dieu, que cette eau guérisse le cancer. Que cette eau guérisse le cancer. Le cancer du cerveau, cancer des poumons, cancer du pancréas, cancer du foie, cancer des reins, cancer des testicules. Quel que soit le cancer, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, cancer, cancer. Mon Dieu, te Reprime, cancer, cancer, Dieu te reprime, cancer de la peau, le semis, le Seigneur te reprime. Le Seigneur te reprime. paix qu'une onction terrible, une onction dangereuse, une onction qui guérit, tombe maintenant dans cette eau. Tombe dans cette eau. Cancer, cancer. Il y a tellement de gens qui ont des cancers que Dieu est en train de guérir maintenant. Le cancer, je ne dis pas que demain, le cancer va quitter ton corps maintenant. Le cancer va quitter ta vie maintenant. Le cancer n'est pas peur, n'ayez pas peur, ayez foi, ayez foi. Jésus-Christ a dit ayez foi en Dieu. Cancer, cancer, que le Seigneur te réprime. Betata wa anna barish, bela farish wa inna gromita uten, wa inna barata wa anasta, vresta ida, wa inna borada, bola midan wa inna bromikanos, mela ina u la flita. Peut toute personne qui souffre du cancer en buvant de cette eau reçoit la guérison. Même si elle était déjà en phase terminale, Seigneur, cette eau ramène la vie. Prenez l'eau. Cette eau ramène la vie. 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 Les cellules cancéreuses sont tuées. Pendant que nous buvons cette eau, Seigneur, toutes cellules cancéreuses dans nos corps sont brûlées, sont tuées. Au nom puissant de Jésus, que les cellules saines soient ravivées. Que les cellules saines soient ravivées. Qu'elles remportent la bataille sur les cellules malades. Qui se prolifèrent dans leur corps, dans le sang, dans les eaux, partout dans le corps. Seigneur, que cette eau guérisse les maladies. VIH, VIH, que le Seigneur te réprime. Toute personne qui souffre du VIH, l'éternel te guérit par cette eau. Père, que l'onction de guérison, l'onction de guérison, l'onction de guérison, par l'eau qui a jailli de tes côtes, se manifeste maintenant. VIH sort. Seigneur, quiconque a le VIH et qui buva de cette eau. Je prie au nom puissant de Jésus qu'il soit guéri, qu'il soit guéri immédiatement, que la guérison soit instantanée, que le test soit négatif, ton test sera négatif. Après avoir bu de cette eau, ton test sera négatif, que cette eau te lave de toute maladie, les hépatites, quelles que soient les hépatites, le coronavirus, père, toute personne qui souffre des hépatites, du coronavirus, qui regarde cette émission, en buvant de cette eau, tu es libéré. En buvant de cette eau, tu es guéri. En buvant de cette eau, la situation trouver une solution une solution immédiate une solution immédiate au nom puissant de jésus quand je prie tu dis amen tu envoies le cœur envoie ne cesse pas d'envoyer le pouce bleu ça veut dire que tu dis amen que dieu voit cela dans le nom précieux de jésus quelle que soit la maladie dans ton corps les boules les boules disparaissent les boules disparaissent du corps les boules disparaissent de ton corps les boules disparaissent toute maladie tout ce qu'on appelle maladie dans votre corps sort dans le nom puissant et souverain de Jésus, Esprit de Dieu agit dans le monde entier. Des milliers de personnes sont connectées. Des milliers de personnes sont connectées. Que l'onction de Dieu saisisse. Que l'onction de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. Onction de Dieu vient. 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 Reçois l'onction où tu es. Reçois l'onction où tu es. Reçois l'onction où tu es. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Jésus-Christ te touche. La puissance de Jésus-Christ se touche. La puissance de Jésus-Christ se touche. La puissance de Jésus-Christ se touche. La puissance de Jésus-Christ te touche. Par la puissance de Dieu. Sors de cette maladie. Ton cas reçoit une solution. Ton cas reçoit une solution. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ancien de Dieu. Ancien de Dieu. Touche. Ancien de Dieu guérit. Ancien de Dieu délivre. Ancien de Dieu libère. Ancien de Dieu agit. Ancien de Dieu touche. L'onction de Dieu libère. Nous avons longtemps pleuré. Seigneur, sors-les de la prison. Sors-nous de nos prisons. Nettoie les larmes de nos yeux. L'onction est sur vous. Je vois des gens sous l'onction partout. Dans le monde entier, l'onction agit. Je vois l'onction de Dieu partout. Je vois l'onction de Dieu partout. Oh mon Dieu, il y a des gens par terre. Il y a des gens par terre. Vomis ce qu'on t'a fait manger dans la sorcellerie. Vomis ce qu'on t'a fait manger dans la sorcellerie. Je dis, ça sort. Je dis, ça sort. Je dis, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Tu ne peux pas retenir ça. Au nom puissant de Jésus. Père, pendant que nous buvons de cette eau, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, tout ce qui est dans notre corps qui était mauvais, tous ces du diable dans notre corps, sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends ton nom, ouvre-la et bois avec moi comme ça. Oh Seigneur, je vois un jour brisé. Oh, il y a un jour qui est brisé. C'est que je ne peux pas me lever. Il y a un jour qui est brisé. Il y a quelque chose qui vient d'être brisé dans ta vie. L'ennemi vient, vie. vient de perdre une bataille dans ta vie. Satan vient de perdre une bataille dans ta vie. Satan vient de perdre une bataille dans ta vie. Satan vient de perdre une bataille dans ta vie. Je vois l'ennemi perdre le domaine de ta vie qu'il avait possédé. Je vois l'ennemi te rendre ce qu'il t'avait volé au nom de Jésus. Satan vient de perdre la vie. Satan vient de perdre le terrain. Les sorciers qui t'avaient bloqué, où que tu sois, qui t'ont bloqué, qui ont fait des incantations, ça retourne sur eux. Ils t'ont perdu ce matin. J'efface ton nom de cette liste noire au nom précieux de Jésus. Seigneur, passe-toi, délivre, au Père des délivrances, au Père des délivrances. Si tu ne te maries pas cette année, c'est que Dieu m'a appelé. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas te marier avec n'importe qui, parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne peux pas prier pour toi pour que tu aies échoué ou bien avoir une bénédiction commune. Dieu doit te donner quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Quelque chose qu'on ne verra même plus dans ta famille. Dieu te met dans une position de prééminence par toi eau au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Où que tu sois. Dis Seigneur Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me sépare aujourd'hui par ce service d'eau ouinte. Et d'eau de miracle. Je me sépare de toute malédiction dans ma vie. Je me sépare des influences. Répète, hein? répète, ne joue pas. Répète, c'est la confession. Et si tu confètes ta le le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, c'est une confession. Hein? C'est ça qui apporte le salut. Tu es sauvé. Tu fais ça, tu es sauvé. C'est fini. Hein? Tu es sauvé. Après ça, c'est fini. Tu es sauvé. Le diable perd le terrain sur ta vie. Dis, Seigneur Jésus-Christ, par cette eau de miracle. Comme je bois et comme je lave mes pieds, Seigneur, je me sépare des hôtels de la maison de mon père, des hôtels de la maison de ma mère qui m'ont bloqué depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Et vous mettez de l'eau comme ça dans votre main, comme ça, juste un peu. C'est un peu comme le lait de toilette. Et vous mettez juste un peu comme ça. Ne rate pas l'heure, si ça c'est l'heure dangereuse. Alors, ne rate pas, ne rate pas cette heure, s'il te plaît. Invite tes amis qui se connaissent. Parce que là, maintenant, c'est la guerre. La guerre a commencé. La main a été levée contre le trône de l'éternel. Et Dieu se lève pour te défendre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu souffres. Donc, tu vois, il y a l'eau dans ma main. Comme ça. Non, non. La malédiction, va quitter. Celui qui a pris ton nom pour aller faire le vaudou. <laughs> il est dans le problème. Il est dans le problème. Je secoue le manteau de Dieu dans ma vie contre lui. Celui qui a pris le nom, ta photo, les photos de tes enfants pour aller pratiquer la sorcellerie sur toi. Pour que tu ne sois rien. Pendant que tu l'as depuis, prières. Tout ce qu'on a fait, comme pratique contre toi, ça retourne à l'expéditeur. Dieu te délivre. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Dans ta carrière, tu vas voir le miracle. Là où tu es en Europe, les papiers ne sortent pas. Tu crois en cet acte prophétique. On va t'appeler, tu vas prendre ton papier. Vous avez des enfants, il faut qu'ils montent. Ils n'arrivent pas à monter, on ne donne pas le visa. Mon ami, on va te donner le visa. Par l'utilisation de cet miracle. eau miracle, l'eau de miracle, Dieu va porter un miracle dans ta vie maintenant. Vous qui n'accouchiez pas, toutes les femmes sériles, Écoutez, je vais vous donner l'instruction. Hein. Toutes les femmes stériles, on va laver les pieds. Quand tu laves, la stérilité la, la qui ta vie. La stérilité qui ta vie. Et tu as les jumeaux, tu as les triplets, les quadriplets. Tu dis ce que tu veux. Si c'est jumeaux, tu mets jumeaux. C'est un, tu mets un. Jumeaux, jumeaux. Triplet, triplé, Tu mets quadriplet, tu écris. Selon ta commande. Et dit demandez et l'on vous donnera. Donc tu demandes tout simplement. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Vraiment, ma foi ne me permet pas de douter. Je crois que Dieu te donne des enfants. Toi qui es femme stérile, peut-être tu étais mari, ton mari te menace parce que tu ne veux pas des enfants. Ou peut-être on t'a chassé du mariage. Pardon. Parce que tu ne faisais pas des enfants. Non, c'est fini. Ce matin, c'est fini. Vraiment, j'entends les pleurs de l'enfant. J'entends une petite voix t'appeler, maman, maman. J'entends une petite voix t'appeler papa, papa. Si tu dis Amen, la chose va arriver. Comme tu laves les pieds, tu fais comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ton pied comme ça. Tu laves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu laves simplement le pied. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je lave ma vie de toute malédiction. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Toute plante dans ma vie que tu n'as pas plantée, que le diable avait plantée. Seigneur, la malchance, les échecs sortent de ma vie. Comme je lave mon pied, je t'appartiens dans le nom précieux et souverain de Jésus. Tout ce qu'on a pratiqué contre ma vie, les incantations, les gris-gris, le vaudou, la sorcellerie, la magie noire, les incantations qu'on a fait contre ma vie, tout ce qu'on a pris qui m'appartenait pour aller faire des incantations, Seigneur, je m'en sépare. Comme je lave mes pieds, Seigneur, tout ce qu'on avait fait dans ma vie, libère ma vie, ça sort, ça sort au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas Mettre un peu d'eau pour le deuxième pied aussi. Tu fais la même prière au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme tu as lavé les pieds de tes apôtres et tu leur as dit que celui qui ne lave pas ses pieds n'a pas part à ton héritage. Seigneur, je lave mes pieds. Tous les plans de mes ennemis contre ma vie, comme je lave mes pieds, Seigneur, j'en suis délivré. Leur plan retourne contre eux-mêmes. Seigneur, le plan machiavélique, leur haine, leur jalousie, le piège, je ne tomberai pas sur le piège. Pendant que tu laves, les pièges qu'on a mis devant ta vie, parce qu'il y a des gens derrière toi qui sont là pour mettre les pièges, les pièges maléfiques qu'on met devant toi, il y a des gens qui ont traversé des pièges maléfiques, leurs pieds ont gonflé, c'est devenu des cancers, etc. Donc, tout piège spirituel ou physique, dans ton lieu de travail, au marché où tu es, à la maison, dans ton quartier, quiconque te vise, parce que les sorciers, c'est des prédateurs. C'est des chasseurs. Les démons, c'est des chasseurs. Tout piège qu'on tendra contre ma vie, Seigneur, comme je lave mes pieds, mes ennemis tombent dans leur propre piège. Tel est l'héritage des fils de l'Éternel. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, ma vie est sauvée. Ma vie est restaurée. Ma vie est complètement délivrée. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. L'Éternel vient de le faire dans ta vie. Félicitations. Si tu as fait cet acte prophétique avec moi, la maladie d'abord, nous commençons par la maladie. La maladie qui était dans ton corps sort. Cette maladie libère ton corps. Cette maladie libère ton corps. Cette maladie libère ton corps dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Tout ce qu'on t'avait fait vient d'être lavé. Tout ce qu'on t'avait fait. Ne jouez pas avec le service d'eau, avec l'eau miracle. Hein. Ton eau, c'est ton eau. C'est pas mon eau. C'est l'eau miracle. Ce long miracle, Dieu fait des miracles extraordinaires dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans le nom précieux et redoutable ici de Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur. Dis mon Père et mon Jésus, je te dis merci pour ce lavement de pied ce matin. Car Seigneur, tout démon de blocage et de malchance a été vaincu dans ma vie. Aujourd'hui je suis libre et ma vie est ouverte. Au succès et à la prospérité, à la longévité, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui était sur le point de mourir, n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir. Parce que l'avement de pied avec l'eau miracle, l'éternel vient de prolonger tes jours et l'ennemi vient de perdre la bataille de ta vie dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est dans ton corps sort, les boules ont disparu, les cancers ont disparu, le VIH a disparu, immédiatement tu te sens bien, tu vas faire le test demain. S'il te plaît, va faire le test demain. Va faire le test demain et tu reviens et rends témoignage. Des milliers de personnes rendent témoignage. Depuis que nous faisons ces servi de lavement de pieds, des milliers de personnes reçoivent la délivrance et la restauration. Envoie-moi ton témoignage. Nous voulons lire ton témoignage, s'il te plaît. Qu'est-ce que Dieu a fait Quelle manifestation de l'Esprit tu as reçu pendant que nous étions en train de rendre ministère Qu'est-ce que Dieu a opéré comme miracle dans ta vie Écris ça en commentaire, s'il te plaît. Écris tout simplement en commentaire. Et pendant que tu le fais, que la main de Dieu soit dans ta vie, je te vois prospérer. L'éternel t'établit au-dessus de tes adversaires. Ton Dieu t'établit au-dessus de tes ennemis. Ton Dieu t'établit au-dessus de tes ennemis. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour avoir les notifications. Parce que parfois on commence les émissions en retard. Si tu es abonné, tu auras, tu sauras. Si je commence à n'importe quel moment, tu sais. que ça a commencé? Oh Jésus de Nazareth. Oh, j'ai vu quelque chose. Vu... Attendez-moi, pardon. Be Anna Boraza, Bev Tamara. L'oprami dali filimane. Wa inna sopremi dali forazo. Karami anna tresperazo. es mancharita, wa anna bromie Wa inna moradesa ou del filiman samerado. Global, wa inna moraden, valaten, wa anabera, blesperazi, wa inaspremi. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision. Je vous dis la vérité, c'est mauvais. J'ai vu une vision. J'ai vu une vision. Je vous dis la vision. J'ai vu une vision, ça te concerne. J'ai vu une vision qui te concerne. Écoute-moi, écoute-moi bien. J'ai vu une vision qui te concerne. J'ai vu une vision qui te concerne. Dans la vision, j'ai vu une grande armée. J'ai vu l'armée si grande et puissante en train d'assiéger une ville. J'ai demandé à l'éternel, quelle est cette ville? Dieu m'a dit que c'est la vie de ceux qui sont connectés ce matin. Et cette armée avait assiégé la ville pendant des années. Et les habitants de la ville étaient affamés. Et plusieurs étaient morts. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, il y a plusieurs qui t'écoutent ce matin. Leur famille avait été assiégée par Satan, par l'ennemi depuis des années. Et beaucoup sont tombés sous le siège de l'ennemi. Et après cela, j'ai entendu des trompettes au ciel. C'est pour ça que je me suis levé. J'ai encore envie de me lever, mon Dieu. J'ai entendu des trompettes au ciel. Et quand mes yeux se sont levés vers le ciel, j'ai vu une armée redoutable. J'ai vu des anges vêtus de blanc. Tous vêtus de blanc. Une armée puissante avec des chevaux. Des chevaux. C'est-à-dire que des chevaux, si j'étais un dessinateur, j'allais vous dessiner cela. Des chevaux qui avaient des cuirasses, avec des casques. Des chevaux avec casques. Il y avait cuirasses. Et c est, c est cette armée était formée des, des soldats, des anges guerriers qui descendait vers cette ville qui était assiégée. Et j'ai entendu la voix de l'éternel depuis son trône libérer la ville assiégée aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis levé. Ainsi m'a parlé l'éternel des armées, ta vie, ta famille, ta maison qui ont été assiégées depuis des années. Ainsi parle l'éternel libérer la ville assiégée aujourd'hui. Le soleil ici si ne se couchera pas que ta vie n'ait été délivrée du siège de Satan. Du siège de la pauvreté. Du siège des pleurs. Tout ce qui te faisait pleurer. Tout ce qui te rendait malheureux. Cette vision est pour toi. Aujourd'hui, tu le sais. Tu ne le savais pas, mais tu le sais. Les anges ont été envoyés pour toi. Sois préparé à les recevoir. Sois préparé à les recevoir. Et après cela, organise une fête à l'éternel. Sois prêt à recevoir la visite des anges. Ils vont se manifester de plusieurs façons. Il y aura des miracles qui vont se accomplir. Les animaux vont mourir dans vos maisons. Vous allez voir les cafards. Les gens, non, attendez. Hein. Attendez, je suis un prophète, demain, demain, l'émission de demain, 10h, appelez-moi direct, je vais vous donner le numéro WhatsApp. Les gens vont, vont ramasser les souris dans leur maison. Les gens vont ramasser des cafards dans leur maison. Tout hôtel totémique, tout animal totémique, tout animal qui était un, un peu l'avion des sorciers dans votre maison, je vous dis la vérité. Les serpents vont mourir, vous allez ramasser des serpents dans vos maisons. Les bouteilles qu'on a enterrées dans vos maisons, les choses qu'on a enterrées, la terre va s'ouvrir. Oh mon Dieu, la terre va s'ouvrir. Ça va sortir. Tu vas voir le bout d'une bouteille sous ton lit. Fouille ta maison. Fouille ta maison. Après l'émission aussi. Fouille ta maison. Tu vas ramasser les choses. Demain, appelle-moi en direct. Fouille ta maison. Tu vas voir ce qui va se passer. Les choses vont sortir. Les anges vont aller dans les coins et les recoins de vos maisons, de nos maisons, où le diable avait caché, enterré des choses. Écoutez, écoutez bien, écoutez, frère, écoutez, écoutez-moi, pardon, écoutez-moi, pardon, écoutez-moi, après ça je pars, tu pars, chacun prend sa route, mais il faut que tu sois béni, que tu sois béni, écoute-moi bien, Dieu m'a mis pour toi, pour te bénir, c'est pour te bénir, écoute, non, écoute-moi bien, Gédéon, comme disait Jugé chapitre 6, la Bible dit que Gédéon est devenu pauvre, sa famille était pauvre, Gédéon ne comprenait rien de sa vie, mais Dieu lui a dit, dans la maison de ton père, dans sa chambre, il y a une antichambre. Il y a un hôtel là-bas. Il y a un Dieu qui se nourrit de votre richesse. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Va renverser cet hôtel. J'ai dit, on ne connaissait pas. Il est allé, il a renversé l'hôtel. Il est devenu un général. Juste après ça, sans formation militaire, il est devenu général. Sans faire une école militaire, il est devenu le chef et le juge d'Israël. Et sa famille, qui était la plus pauvre, est devenue la plus riche. Écoutez, les hôtels sont réels. Les hôtels sont réels. Ne joue pas avec. J'ai tellement de choses à te dire. Demain, je vais te parler des hôtels. La dangerosité des hôtels. Ne joue pas avec les hôtels. Donc, quand nous posons des actes comme ceux-ci, vous qui vous moquez de nous, disant, ah, c'est des fous et tout. Oui, on est fou. Mais dans la folie de Christ, et la sagesse de Christ est une folie pour ceux qui périssent. Ça, 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 on ne joue pas avec. Ça, on ne joue pas avec. Ce que tu viens de porter comme acte prophétique est dangereux. Parce que tes ennemis ont aussi posé des actes prophétiques. Hein. On a égorgé des coques contre toi. On a enterré des moutons contre toi. Peut-être on a brûlé quelque chose contre toi. Toi, tu laves les pieds, tu te débarrasses de toutes ces choses. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et qu'il punisse le diable dans ta vie. Qu'il punisse les sorciers dans ta vie. Et qu'il punisse les jaloux dans ta vie. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, 10 heures, ne manque pas. On va lire quelques témoignages. Demain, s'il te plaît, ne manque pas ce service. Demain, 10 heures, c'est la folie. Au bureau, ferme ton bureau. Hein? Ferme ton bureau. Dès est le mets les gens dehors. Oh, ferme ton bureau. Nous, nous cherchons ici. Les gens vont chez les marabouts, d'autres vont chez les sorciers. Confiez-vous au prophète de l'éternel. Confiez-vous au prophète de l'éternel. Est ton prophète. Dieu nous a donné pour vous. Tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout. Tu n'as pas besoin d'aller chez un sorcier. Tu n'as pas besoin de ça. Dis, j'ai mon prophète. Je ne peux pas aller, je n'ai pas besoin de rose-croix ou bien quoi. J'aime mon prophète. On a des prophètes, des hommes de Dieu que le Seigneur nous a donné. Et notre délivrance est dans leur bouche, dans la parole qui proclame. Seigneur, merci pour la délivrance, ton peuple. Je t'ai dit la vérité. J'ai vu, je ne sais pas comment je vais parler, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, ouvre aussi leurs yeux. Donc. Et si tu vas tout me montrer, eux, ils vont voir quoi. Seigneur, montre-leur aussi. Ouvre aussi leurs yeux, pardon, Seigneur, Ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux. J'ai vu des gens devenir riches à cause de ce, ce lavement de pieds. J'ai vu des gens devenir riches. J'ai vu Dieu punir tes ennemis par ta richesse. Il y a des gens, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Un événement, petit événement comme ça. Tu vas dormir pauvre, tu te relèves riche. Je vous dis la vérité. Il y a une grande faveur que Dieu a déversée sur tous ceux qui ont lavé leurs pieds. En direct, tous ceux qui ont lavé leurs pieds. Je vous dis la vérité au ou nom. Ouais. Seigneur, je vais dire comment. Je vais leur dire quoi. Je vous dis la vérité. Ta vie est restaurée. Les choses qui étaient impossibles dans ta vie là. Tu vas voir ce qui va se passer. Cette semaine. Et tu sauras que l'Éternel est Dieu. En vérité. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Christ. Oh. Ah, voici Salomon si Joseph qui a écrit déchargé d'un loup-fardeau au toucher de l'écran ce matin. Manifestation, signe de cri et sifflement d'un gros démon, de serpent dans ma vie au point où mes vêtements se sont déchirés. Écoutez bien, hein? c'est un témoignage. Regardez. Vous voyez la délivrance Écrivez le témoignage. Un esprit de serpent. Notre frère vient d'être délivré d'un esprit de serpent en direct. Waouh, waouh. Il a été renversé, ses habits se sont déchirés sur lui. Laissez-moi lire. Écoute bien, écoute bien, écoute. Déchargé d'un loup fardeau au toucher de l'écran ce matin toi mais si tu as une manifestation puissante, écris s'il te plaît. Il dit manifestation, signe de cri et de sifflement d'un gros démon de serpent dans ma vie, au point où mes vêtements se sont déchirés. Délivrance de cette force aujourd'hui. Merci pour la délivrance de ma vie, Seigneur. Merci. Amen, amen, fois 7 milliards. Oh, ça c'est Salomon. Si Joseph qui nous a écrit. Waouh! Délivré d'un esprit de serpent, les vêtements se sont déchirés. Il est dans sa maison. Ceci doit te prouver que l'eau là a agi. Que Dieu est en train de travailler. La Bible dit Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Jusqu'à présent, Jésus, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Envoyez-moi les témoignages. Il y a, -il y a plus de 5000 témoignages. Mais je n'arrive pas à lire. Plus de 5000 témoignages. Plus de 5000 témoignages. Plus de 5000. 5000, 5000 témoignages. Oh Seigneur, merci pour la guérison. Merci. Mon papa, que l'Éternel vous remplisse davantage. Je dis merci à cela. Je dis merci à cela. Je n'arrive pas à lire tous les témoignages. Vous voyez, quand, quand je veux lire les, les commentaires, voici bah, ce que ça me fait. Donc si quelqu'un connaît comment ça se passe, qu'il m'aide. À parvenir à la lecture des commentaires. Donc je n'arrive pas à lire. Mais nous avons 5000. Vous voyez, 5607 commentaires. Voici le nombre de commentaires que nous avons. Vous voyez, est-ce si vous lisez ça 5606 commentaires de délivrance. Mais hélas, je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas s'il faut lire euh, demain. Je ne sais pas comment je vais faire. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. La louange, la force, la puissance. Tu vas sentir une fraîcheur. Les gens vont sentir la fraîcheur. Comme la, la clim. Immédiatement. C'est un changement de, de, de saison, un changement de dispensation. La fraîcheur, tu vas sentir la fraîcheur dans ta vie. Ça veut dire que c'est fini. Dieu t'amène dans une autre dimension. Que le Seigneur te bénisse. Habitant de Douala, si tu es dans la ville-ci, je suis à Douala. Je suis à Douala. Si tu es à Douala, tu ne viens pas en dogbon ce soir. Tu me vois en route passe. Ne me dis pas bonjour. Tu me dis bonjour, je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. L'onction de Dieu, la regarde à distance. Les gens reçoivent les délivrances. Les démons de serpents sortent de leur corps. Mais toi, tu restes et tu restes à la maison pourtant le prophète, l'homme de Dieu dans ta propre ville. Non. Mon ami, sors vite, sors vite, sors vite et viens. Moi, voilà, on a lumière qui qui dit, moi, pendant que l'eau était dans mes mains, j'ai ressenti une douleur atroce sur les mains, comme un marteau. Oui, ça veut dire que l'ange de l'éternel, écoutez, ça veut dire qu'il y avait une chaîne, vous étiez enchaîné. Et si vous regardez bien votre vie, ça dit, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas bien dans votre vie. Donc l'ange de l'éternel a brisé la chaîne qui vous reliait et beaucoup de milliers de personnes aussi ont été délivrées ce matin. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vérité, c'est ce que je ressens maintenant. Voilà. Confirmation. Donc, il y a la chair de poule, m'envahit, papa. Un vent d'eau passe sur mes pieds. Waouh! C'est ça, ça veut dire. Vous voyez, c'est ça. Nous, nous, Dieu agit, frère. Dieu te connaît. Il connaît. Il t'aime plus que toute autre personne. C'est des manifestations de la présence de Dieu. La climatisation, c'est la dire que la dispensation a changé. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus-Christ. Emile Job, merci Seigneur pour ce privilège d'assister à ce direct. Je me sens subitement joyeuse. Ah, Dieu vous a relevé. Il vous a relevé. Il a nettoyé les larmes de vos yeux. Et ceux qui attendaient votre chute, ah, ils auront leurs yeux pour pleurer au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour toi qui me regarde, qui m'a suivi attentivement. Demain, 10h, partage la vidéo dans les groupes. S'il vous plaît, qu'un maximum d'hommes et de femmes soient bénis. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui ont participé à ce lavement de pieds et ceux qui vont suivre l'émission après. Seigneur, que le même miracle, la même grâce, la même bénédiction leur soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus, Satan, tu as perdu l'autorité dans nos vies. Nous sommes délivrés par l'usage de cette tour de miracle et nous sommes sauvés. Jésus-Christ est notre salut et nous sommes bénis. Jésus-Christ est notre bénédiction. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous transmets les salutations de mon ami personnel, Momi Shalom et Kané. Et je vous dis que nous vous aimons, mon épouse et moi, et nous tenons beaucoup à vous. Les habitants de Douala, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et tous les habitants de Yaoundé ce vendredi, à partir de 21h, nous avons la grande nuit des flammes à la bière en Kouaban. Donc ne manque pas, Dieu veut te toucher en direct et ce soir, ça sera fort. de bon, ça sera dangereux. Ce soir, ça sera dangereux à partir de 16h. Derrière l'immeuble Camden. Venez avec vos problèmes. Quel que soit le problème, c'est une soirée de délivrance et Dieu va se manifester avec puissance. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Shalom.